Facebook Live. Je cherche le JPL. Est-ce que mon problème, c'est que la coupe encore. Ça va aller. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir plutôt. Je réponds au nom de Ibrahim Ndiaye. Je suis le responsable du département marketing et développement institutionnel de l'ESMT. Comme vous le savez tous, nous nous adaptons donc sur les grands axes de ces offres de formation.
Donc, une fois que ces deux allocutions seront terminées, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons passer la parole à nos enseignants-chercheurs donc pour essayer de vous en dire un peu plus sur les débouchés, les métiers et les filières les plus porteurs aujourd'hui à l'heure du numérique. Donc, avant tout, donc pour terminer et pour terminer mon speech, nous vous réitérons nos remerciements les plus sincères et les plus appuyés. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au directeur général de l'ESMT pour son mot de bienvenue. DG, la parole est à vous. DG? Monsieur Salé? Donc, je pense que nous ne l'avons pas sur le pont. Nous allons enchaîner. Donc, il va nous rejoindre, il va nous retrouver bientôt, certainement. Ce sont les aléas du direct. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à nos deux experts, Monsieur Dr. André Onana et Monsieur Moustapha Dher. Bonjour, Ibrahim. Voilà. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà, on a retrouvé le directeur. Merci, Ibrahim. Je vais vous la parole. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue d'abord. Merci, Ibrahim. Nous passons la parole pour prononcer votre allocution de bienvenue. Merci, DG. Merci, Ibrahim. Et je vous remercie pour cet investissement colossal parce que c'est une initiative qui est nouvelle. Et sans plus tarder, je vais intervenir par rapport à l'allocution à nos chers participants, donc chers étudiants, chers parents d'étudiants, chers collègues. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre première journée porte ouverte virtuelle. Donc, cette journée est celle dédiée à l'orientation, à tous ceux qui souhaitent s'inscrire à l'ESMT. Évidemment, comme vous l'avez dit, Ibrahima, cet événement se passe dans un contexte particulier, marqué par la situation due au COVID-19. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes obligés de nous réinventer, à travers le digital et de faire découvrir à nos étudiants ou à nos futurs étudiants, à travers le digital, les filières que nous proposons. En faisant le choix de l'ESMT, vous choisissez l'excellence. L'ESMT, c'est un centre d'excellence de l'Union économique et monétaire ouest-africain. C'est un centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications. À ce titre, l'ESMT est le socle et fait partie des acteurs des technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement des télécommunications. En s'inscrivant à l'ESMT, vous êtes convaincu d'être au diapason des thématiques de pointe, telles que la 5G, la cybersécurité, le cloud, le développement digital qui seront développés par un de nos experts, mais aussi les filières du management et de l'économie numérique. Chers participants, c'est aujourd'hui l'occasion de découvrir, peut-être si l'occasion ne vous a pas été faite par le passé, de découvrir quelques avantages de s'inscrire à l'ESMT. Je reste convaincu qu'une fois inscrit à l'ESMT, vous ne serez pas déçu compte tenu de la disponibilité de l'ensemble du corps enseignant et de l'administration pour vous apporter tout le support nécessaire. Comme vous le savez, une école, ce n'est pas que l'enseignement en salle de classe, mais aussi un ensemble de soutien. Et donc, à l'ESMT, vous aurez ce soutien inconditionnel pour vous assurer le parcours depuis l'inscription jusqu'au parcours professionnel une fois que vous aurez les diplômes. Donc, sur ces mots, je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne session. Merci à tous.
Donc, vraiment, voilà les quelques mots que j'ai jugé utile de partager avec vous. Et je vous laisse continuer. Voilà. Merci, monsieur le directeur général. À travers votre allocution, vous avez présenté un tout petit peu les axes fondamentaux du métier de l'ESMP, donc les cursus de formation, les aspects pédagogiques, et extrêmement de propos motivants pour les futurs inscrits dans notre institution. En tout cas, nous vous remercions d'avoir sacrifié de votre temps pour être avec nous cet après-midi. Donc, nous vous remercions vivement. Donc, c'est un plaisir. Et je passe la parole au directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, le professeur Cora, donc, qui va essayer au cours de son speech de nous brosser un aperçu synthétique et global des offres de formation de l'ESMT qui ont été beaucoup modernisées. Il y a eu beaucoup d'axes d'innovation ces derniers temps. Donc, il va revenir sur l'esprit un tout petit peu de notre offre de programme. Donc, je passe la parole au DFR. Professeur Cora. Professeur Cora. Oui, vous m'entendez? Voilà, on vous entend bien. Il faut activer la caméra. Allô? Professeur Cora? Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, en tout cas, c'est pour moi l'occasion de remercier tous les participants à cette session qui nous permet de valoriser les produits de l'ESMT. Donc, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, en tout cas, c'est pour moi l'occasion de remercier tous les participants de cette session. Alors, donc, je voudrais quand même souhaiter une bonne session à tout un chacun, en rappelant tout simplement que l'ESMT est une école multinationale. C'est aussi une école qui répond aux normes d'assurance qualité. Donc, actuellement, nous sommes à cheval sur toutes les formes d'assurance qualité qui sont dans la sous-région. Et notamment, nos programmes sont reconnus au niveau du CAMES, et également au niveau de la NACSUP. Donc, la particularité de cette présentation sera certainement de pouvoir aussi vous introduire les nouvelles formations qui vont commencer à partir de la rentrée prochaine. Ce seraient des formations qui sont plus focalisées aussi, aussi bien sûr des composantes en ligne. Donc, elles offrent une certaine flexibilité à ceux qui voudraient bien de très loin participer aux différentes formations. Je vous remercie et je souhaite à mes collègues de pouvoir faire une très bonne prestation. Ok, merci beaucoup. Merci, professeur Cora. Donc, nous vous remercions aussi pour votre intervention. Donc, sans plus tarder, donc, je passe la parole à nos deux experts qui vont animer le webinaire qui porte sur les filières de formation émergentes dans les sciences et technologies du numérique. Donc, docteur Onana et Michel Der, la parole est à vous. Donc, on vous passe... la main. Je disais bonjour à tous.
Docteur Onana? Vous recevez son son? Non, non. J'ai introduit M. Onana. Non, mais on n'entend pas. On n'entend pas. J'espère que vous m'entendez maintenant. Donc, je disais bonsoir à tout le monde et bienvenue donc à cette session de journée porte ouverte virtuelle de l'ESMT. Ok, très bien. Donc, désolé, hein, ce sont des soucis du direct. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session donc, des journées portes ouvertes de l'ESMT. Donc, c'est la première fois qu'on le fait de façon virtuelle. Je pense que les prédécesseurs ont rappelé pourquoi nous sommes en virtuel. Voilà, c'est à cause notamment de la pandémie qui nous oblige à travailler de façon virtuelle. Mais cela, c'est aussi une excellente opportunité parce que ça nous permet d'ouvrir les portes de l'ESMT à des personnes qui ne sont pas forcément sur le territoire sénégalais. Donc, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec un de mes collègues qui va se présenter pour échanger avec vous sur les filières de formation émergentes dans les sciences et technologies du numérique. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle André Onana. Je suis enseignant-chercheur à l'ESMT au département ESMT Management. Voilà. Je vais passer la parole à mon collègue qui va se présenter à son tour. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit mon cher ses collègues, je suis André Onana. Donc, je m'appelle Moussa Fader. Je suis enseignant-chercheur à ESMT dans le département TTIC. Donc, comme il a dit tantôt, nous allons maintenant vous faire part des remarques qui sont faites au nom de l'ESMT. Et vous aurez également la latitude également de poser des questions pour moi. Et nous allons essayer d'être à toutes vos questions. Merci, mon cher collègue. Merci beaucoup, cher Moustapha Der. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour échanger sur cette thématique extrêmement importante. Alors, voici les points principaux que nous allons aborder. Donc, je pense que lorsqu'on parle des sciences et technologies émergentes, il y a forcément un terme qui est associé à ces sciences et technologies émergentes, c'est la transformation digitale. Donc, je pense que pour parler des formations dans les sciences et technologies émergentes, un bon point d'entrée, ça peut être de parler de la transformation digitale. Ensuite, mon collègue Moustapha Der vous fera un tour d'horizon des principales sciences et technologies émergentes. Et donc, du coup, ça va nous conduire à voir un peu quels sont les nouveaux métiers qui sont nés avec ces technologies émergentes. Donc, nous allons faire un panorama des différentes formations que l'ESMT propose dans le domaine donc, des technologies émergentes. Et donc, ce sera également une occasion pour vous de faire connaissance avec l'ESMT, pour ceux qui découvrent l'ESMT seulement aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'affiche à l'écran. Donc, allez sur slido.com et tapez le code 577-456. Et vous avez une question qui vous est posée. Que vous évoque la notion de transformation digitale? Voilà. Donc, c'est très simple. Vous allez sur slido.com, vous tapez le code 577-456. Et en un mot, dites-nous ce que vous évoque
la notion de transformation digitale. C'est pour qu'on ait une discussion un peu interactive, malgré le fait qu'on soit à distance. Alors, je vois toujours pas de personnes connectées. Donc, slido.com, 577-456, c'est le code. Juste en un mot, dire ce que vous évoque la notion de transformation digitale. Bon, peut-être que vous avez des difficultés à aller sur le site, voilà, mais on va pouvoir avancer si l'occasion nous est donnée. OK? Très bien. Je vois une première proposition, c'est le futur. Oui, c'est le futur. OK? Excellent. C'est le futur. Si on avait encore deux ou trois personnes, ce serait magnifique. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, l'une des applications des technologies. Voilà. Donc, tout sera digitalisé. Très bien, c'est le futur. Tout sera digitalisé. Effectivement. OK, avant-gardiste. OK. Je pense que ça rejoint un peu la notion de futur. OK, super. Ah, ça, c'est bien. Si on avait encore deux ou trois personnes, ce serait magnifique. Donc, par exemple, vous voyez, ça, c'est un outil de la technologie et qui nous permet vraiment de garder l'interactivité malgré le fait qu'on soit à distance. Alors, il y a un mot là que moi, je ne sais pas si Moustapha peut m'aider. Voilà, j'ai du mal à l'analyser, mais... D'accord. Le mot là, il est un peu compliqué pour moi. Hein. D'accord. Mais bon, je pense qu'on va avancer. Alors, lorsqu'on parle de transformation digitale, effectivement, le terme en lui-même, déjà l'expression en elle-même, évoque ce dont on va parler. Alors, généralement, la transformation digitale, c'est une société dans laquelle le numérique occupe une place importante dans les activités au quotidien. Alors, l'Union internationale des télécoms parle de la transformation digitale en utilisant le terme société de l'information. Donc, c'est une société dans laquelle nous nous basons sur le numérique pour pouvoir fournir des services, pour pouvoir consommer. Alors, justement, la question du numérique peut se poser. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le numérique? Donc, le numérique, c'est tout simplement la numérisation de l'information. À partir du moment où on peut traiter l'information de façon numérique, à partir du moment où on peut stocker l'information sur des supports numériques, on dira donc que nous avons à faire au numérique. Et donc, du coup, comme vous l'avez observé, ces dernières années, beaucoup de secteurs de la vie aujourd'hui sont influencés par le numérique. Par exemple, la santé. Aujourd'hui, on est capable de faire des opérations chirurgicales à distance, tout simplement en utilisant les technologies. On est capable aujourd'hui de pouvoir utiliser les technologies pour pouvoir inclure financièrement les populations. Donc, c'est l'utilisation au quotidien des technologies dans nos activités de production, dans nos activités de consommation, pour être beaucoup plus performant. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale. Et cette transformation digitale, elle est extrêmement importante pour les économies africaines qui, la plupart du temps, n'ont pas des industries qui sont suffisamment développées. On dit souvent que l'Afrique a raté la révolution industrielle et qu'il ne faudrait pas qu'on rate la révolution du numérique ou la révolution du digital. Et c'est donc cette ère de la transformation digitale qui a fait naître un certain nombre de métiers qui doivent être adressés aujourd'hui par des formations tout à fait adaptées. Alors, maintenant que nous avons campé un peu le décor sur la transformation digitale, ce que nous allons faire, nous allons voir un peu quelles sont les technologies qui drivent la transformation digitale, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui les sciences et les technologies qui sont au cœur de la transformation digitale. Et je pense que vous parlez de ces sciences et technologies. Je suis bien accompagné, donc je vais donner la parole à mon collègue Moustapha Dair, qui va nous entretenir sur les sciences et technologies émergentes. Oui, merci, mon très cher André, qui a très bien introduit quand même, parce que
quand on parle déjà de sciences et technologies émergentes, d'abord, il y a des questions à se poser. D'abord, on parle de sciences, on parle de technologie, on parle également d'émergence. Et dans ce cas, maintenant, il y a des points précis quand même sur lesquels il faut mettre l'accent. Et au niveau de ces points-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle la notion de cloud computing. Beaucoup de gens viennent entendre parler de ça. Il y a ce qu'on appelle les services. Il y a ce qu'on appelle la blockchain, que tout le monde également connaît. La partie biométrie, mais surtout la partie intelligence artificielle. Mais on va prendre les éléments point par point. D'abord, si on commence par le cloud computing, quand on parle du cloud, c'est ce qu'on appelle le nuage. On est arrivé à un moment tel que les données ne cessent d'accroître. À temps réel, il y a beaucoup de données qui sont envoyées, qui sont échangées. Ces données-là aussi, il faut qu'elles soient sauvegardées quelque part. Mais dans cette part-là, maintenant, la plupart du temps, maintenant, les données sont sauvegardées dans les nuages. On parle maintenant de ça, c'est une partie du cloud. Et il faut aussi dire que quand on parle également du cloud également, il y a deux niveaux. Il y a le niveau infrastructure, mais il y a aussi les logiciels également qu'il faut utiliser maintenant pour exploiter maintenant ces données-là. Et pour ça également, on dit, dans ce cas, quand on parle du cloud, il y a des niveaux de traitement pour le cloud. Il y a ce qu'on appelle le niveau SaaS. On dit dans ce cas-ci, tout est service. On dit SaaS, on dit software as a service. On vous dit que dans ce cas-ci, on vous considère les deux comme étant un service. Il y a ce qu'on a également le niveau PaaS. On parle de plateforme as a service en anglais. P, plateforme. A, as a service. Et là, également, on parle également du niveau IAS, qui vous dit que là, on considère maintenant l'infrastructure qui est comme étant un service. Et dans ce cas-ci, maintenant, on est dans le cas de la virtualisation de ça peut être des données ou des serveurs. Et dans ce cas-ci, maintenant, et nous avons maintenant beaucoup de solutions également qui existent. Et nous avons également les exemples également, le cas de AWS, qui est un Amazon Web Services, que beaucoup de gens connaissent. Nous avons également les applications également de Google. Il y a Google App, Engine. Il y a aussi OpenStack également, qui sont utilisés également, qui existent également, et qu'on peut utiliser. Il y a également aussi ce qu'on appelle Microsoft Azure également, okay, qui également intervient, qui peut être également utilisé dans ce cas-là. Donc ça, c'est important à savoir. Pourquoi maintenant, on va se parler les liens dans le nuage? C'est parce qu'on a besoin d'y accéder à temps réel. C'est important avec point maintenant d'aller chercher des disques ou d'aller chercher des pièces. Parce que déjà, on sait que nous sommes dans un monde planétaire. On parle également des plages planétaires. Ça veut dire que ça, c'est maintenant, tout le monde est interconnecté. Il faut que les données maintenant soient transmises et communiquées et échangées à temps réel. Ça compte majeur. Ça, c'est important. Maintenant, nous allons également passer au point suivant qu'on appelle les services. Vous savez que généralement, ça, même tout le monde le sait, parce que nous avons maintenant un petit peu d'application. Et ces applications également qu'on utilise maintenant ne sont pas forcément obéies, pas forcément les technologies. Ça veut dire donc, il faut que ces applications, ces technologies maintenant soient appelées à communiquer. Exemple, très simple, je dis, moi j'ai une application sur mon téléphone. Et j'ai également une application maintenant qui se trouve dans un autre endroit. Et deuxième, maintenant, nous avons la possibilité maintenant de faire communiquer les applications, mais à travers les services web. On dit en anglais les web services. Et deuxième, maintenant, c'est ce maintenant pour communiquer pour des services. Et ça peut être les cas de paiement digitaux. Exemple, monsieur, on va parler de ça après. Par exemple, les paiements électroniques, que tout le monde connaît. Le commerce électronique, également, que tout le monde connaît. Mais également, c'est la vente en ligne. On peut avoir plusieurs solutions qui communiquent entre elles et qui ne sont pas forcément faites par les mêmes technologies. Mais il faut que ces applications-là soient appelées à communiquer à travers des API. Mais tout ça, on l'a au niveau des services. Ça, c'est fondamental à savoir également. Quand on parle de blockchain, c'est vrai qu'il y a 10 ans de cela, on n'imaginait pas un jour que non, ça allait se lier dans nos téléphones. Et là aussi, il y a beaucoup également de personnes également qui fonctionnent déjà avec la monnaie électronique. Je vais passer par la monnaie électronique, qui nous permet également d'avoir de l'argent. Mais dans nos solutions, ça peut être dans les téléphones, comme ça peut être dans d'autres. Mais donc, également, il faut se dire que dans ce cas-ci, il y a trois niveaux qu'il faut déjà déceler.
qu'on appelle les contrats intelligents, la crypto-monnaie qui est fondamentale, mais également la partie dématérialisation des diplômes. Et là même, je crois que je vais laisser ce penser à M. Onana, il va vous parler un peu d'une possibilité que nous avons, donc qui serait également la SMT pour les diplômes. Donc ça, c'est bon également que les gens sachent que la SMT est à occuper tout ce qui est logé également de l'information de la publication. Parce que tous les diplômes sont identifiés et là maintenant, à travers des codes qui sont générés et qui sont que chaque étudiant a son code, puis premièrement de connaître de son unique champion par rapport à tous les étudiants. Ça, c'est important, ça. Okay? Ça, c'est fondamental également. Et on parle également, on dit aussi que, bon, il y a une ambition de blockchain également qui a été créée en 2008 et depuis lors également, ça fait de. Ça se développe de façon exponentielle. Même si en Afrique, ce n'est pas encore le cas, mais là, à SMT, tout est exploité de sorte à ce que les gens puissent voir. Mais pour ça, comment ça fonctionne. C'est fondamental. Bon, on va parler de la ligne biométrie. Et quand on parle de biométrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, on sait que d'accord, bon, on va faire une petite pause pour régler pour voir un peu le son, parce qu'apparemment, il y a des pertes.
C'est bon. J'espère que vous m'entendez. On a eu quelques petits aléas du direct. Alors, on va essayer de reprendre. Je ne sais pas si les conditions techniques sont propices. Voilà. Donc, il y a mon collègue Mustapha Der qui était en train de vous présenter les sciences et technologies émergentes. Donc, je disais en termes d'introduction que nous sommes aujourd'hui dans une ère de la transformation digitale. Et cette ère de la transformation digitale, elle est caractérisée donc par la pénétration du numérique dans un certain nombre d'activités du quotidien. Et donc, tout ceci pour permettre notamment de pouvoir avoir une vie meilleure, de pouvoir développer davantage nos économies. Et derrière cette transformation digitale, il y a donc un certain nombre de sciences et technologies émergentes. Et donc, je pense que mon collègue avait commencé à les présenter, notamment en parlant les web services. Et donc, je vais peut-être lui laisser la parole pour qu'il puisse continuer sa présentation. Merci. OK, merci. OK, merci. Merci, mon cher collègue et frère André pour ce petit résumé. Maintenant, on va aller dans la partie... intelligence artificielle. Bon, maintenant, quand on parle de IA, ça, c'est vraiment important quand même, ce concept-là, parce que on sait que il y a deux niveaux. Il y a le niveau manuel et le niveau automatique, okay, qu'on appelle automatique. Bon, maintenant, et donc, ça, maintenant, quand on parle maintenant d'automatisme également, on fait allusion à tout ce qu'il y a à l'ordinateur. Et de ce fait, maintenant, on sait qu'à la base, l'homme a tendance à faire des activités, mais on sait tous que l'ordinateur maintenant a une capacité de traitement qui est plus rapide qu'une personne en temps normal. Ce que dit dans ce cas-ci maintenant, il faut que les travaux maintenant que l'on faisait, qu'on les fasse faire à l'ordinateur. Mais pour ça, comme l'ordinateur c'est une machine, et qu'on sait qu'à la base l'ordinateur n'est pas intelligent, il faut qu'on puisse maintenant l'apprendre à être entre guillemets intelligent. Ça a le rendre intelligent. On va parler d'intelligence artificielle. Et de ce fait, maintenant, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés qui permettent de collecter les données, qui permettent également de faire des traitements de ces données également, de les stocker, mais également de les exploiter. Et on va maintenant parler maintenant du big data. Okay? Ce qu'on appelle les données massives qui peuvent être appelées à être traitées. Et deuxièmement, maintenant, pour faire ces traitements-là également, les données doivent être analysées. Donc, on parle de phase d'analyse des données. Et on va maintenant les analyser maintenant pour sortir l'information qui va donner après la connaissance. Et deuxièmement, maintenant, on va parler maintenant d'apprentissage machine. On va parler également d'apprentissage automatique. Et deuxièmement, maintenant, il faut vous dire que, et sur cette masse, d'autres également, beaucoup de gens vont entendre parler de ce qu'on appelle la notion de machine learning. Machine learning. Mais également, ce qu'on appelle la notion de deep learning. On parle d'apprentissage machine, mais également d'apprentissage profond. Et ces deux éléments-là sont très, très utilisés et très en vogue dans tout ce qu'il y a. Parce que ça nous donne la possibilité maintenant de faire ce qu'on appelle la prédiction. Et maintenant, d'aller en profondeur maintenant sur la recherche. Je donne un exemple très simple pour expliquer. Pour montrer un peu l'impact de l'IA dans les sciences et dans la vie courante. Je prends le cas de que tout le monde connaît, hein, la COVID. Le fait que les scientifiques ont facilement pu trouver des vaccins à ce virus, c'est dû à l'IA. C'est dû à l'IA. Parce que quand on est dans la partie machine learning, il y a trois niveaux d'apprentissage. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage semi-supervisé. Et ces trois-là maintenant que vous avez maintenant ici, après, allez, on va maintenant dans le deep learning qui va nous permettre également de trouver facilement des solutions. Et je rappelle également que ce volet également a été développé par l'INSEP, qui est un métier qui sera lancé dans
dans la suite. Et je vais maintenant, sans tarder, remettre la parole à mon cher collègue, M. André Onana, qui va vous parler un peu également des métiers qui sont liés à ces sciences et technologies émergentes. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Der. Moi, je pense que moi, ce que j'ai fondamentalement retenu de ces sciences et technologies émergentes, c'est certainement cette partie sur l'intelligence artificielle qui a effectivement beaucoup d'impact dans notre quotidien. Alors, il va sans dire que ces sciences et technologies émergentes, cette transformation digitale a fait naître de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui ont disparu et il y a des métiers qui sont nés du fait de ces sciences et technologies émergentes. Alors, nous n'aurons pas la possibilité de vous présenter tous les métiers qui sont nés avec les sciences et technologies émergentes parce que ce live ne nous permet pas de le faire du fait du temps, mais nous allons vous présenter quelques métiers phares qui sont liés aux sciences et technologies émergentes. Alors, je vais commencer par un premier métier qui est le délégué à la protection des données. Alors, tout à l'heure, mon collègue a parlé du data science, où aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont créées par les interactions que nous avons sur les réseaux sociaux notamment. Et ces données-là, qui sont souvent des données à caractère personnel, doivent faire l'objet d'une protection. Alors, vous savez sans doute que le Sénégal est doté d'ailleurs d'une commission de protection des données personnelles. Et donc, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a ce besoin-là de protéger les données. Et donc, à cet effet-là, on aura besoin d'un Data Protection Officer. Donc, en français, c'est un délégué à la protection des données personnelles. Alors, quel est le travail de ce délégué à la protection des données personnelles? Donc, il doit aider l'entreprise à se conformer notamment aux réglementations en vigueur en matière de protection des données personnelles. Parce que nous avons des réglementations, soit d'un plan au point de vue national, mais également d'un point de vue régional. Parce que le Sénégal fait partie de l'UEMOA et dans le cadre donc de cette union économique et monétaire, il y a des directives en matière de protection des données personnelles qui sont transposées au niveau du Sénégal. Donc, le rôle du Data Protection Officer est véritablement de faire en sorte que les entreprises qui utilisent les données de leurs clients ou qui ont en possession les données de leurs clients puissent se conformer aux réglementations en matière de protection de ces données. Et donc, c'est lui qui va servir un peu d'évangéliste hein, en matière de promotion et des bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles. Donc, c'est un métier aujourd'hui qui est tout à fait nouveau et qui est né véritablement avec l'explosion des données massives favorisées notamment par les sciences et technologies émergentes. Alors, si vous décidez d'embrasser ce métier, il faut vous attendre à un salaire brut annuel d'environ 26 500 000. Voilà. Alors, les chiffres que nous donnons sont des estimations qui peuvent s'avérer plus ou moins proches de la réalité. Alors, le deuxième métier que je voudrais partager avec vous, c'est ce qu'on appelait à l'époque, hein, à l'époque, on appelait ça technico-commercial, c'est-à-dire que c'était des personnes qui pouvaient accompagner un certain nombre de clients sur une dimension technique. Donc, ce métier-là est renouvelé aujourd'hui et on l'appelle davantage assistant clientèle en nouvelle technologie. Alors, sa mission principalement, c'est tout simplement d'assurer la relation client. Hein. Mais cette fois-ci, la relation client va s'opérer notamment sur les dimensions techniques en fait, du produit. Et donc, généralement, pour embrasser ce métier, vous devez avoir des compétences hybrides, c'est-à-dire des compétences à la fois dans le domaine des technologies, mais également des compétences dans le domaine de la gestion de la relation client. Alors, le salaire brut pour ce métier est environ de 20 millions de francs CFA. On ne peut pas parler de sciences et technologies émergentes, on ne peut pas parler des métiers qui sont liés aux sciences et technologies émergentes sans évoquer le community management. Voilà. Parce que l'une des retombées
des sciences et technologies émergentes, c'est l'apparition d'une nouvelle forme d'Internet. C'est un Internet où il y a de l'activité, c'est un Internet où les gens vont créer du contenu. Et donc, justement, les entreprises ont besoin d'une présence sur les réseaux sociaux pour interagir avec leur communauté. Et donc, justement, il faut une personne pour coordonner la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Et c'est justement cette personne-là qu'on va appeler le community manager. Donc, c'est lui qui est un peu l'ambassadeur de l'entreprise sur les réseaux sociaux et qui va donc permettre cette interaction entre l'entreprise et les communautés qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il va également surveiller les conversations qui se font sur les réseaux sociaux, notamment garantir que l'entreprise a une bonne réputation sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un métier qui est exigeant parce que vous êtes obligé d'être présent sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 parce qu'en réalité, les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas. Ils sont actifs en continu et à tout moment, vous devez être capable de réagir à un post qui est fait sur les réseaux sociaux et qui concerne l'entreprise. Alors, la rémunération est environ de 17 millions de francs CFA annuels. Alors, l'avant-dernier métier que je voudrais présenter, c'est l'aspect RH. J'ai tenu à présenter ce métier, pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de sciences et technologies émergentes, on pense que les sciences et technologies émergentes ne touchent qu'une certaine partie des activités des entreprises. Non, il y a aussi le fait que les activités traditionnelles de ressources humaines sont aussi impactées par les sciences et technologies émergentes. C'est-à-dire que la gestion des ressources humaines à l'ère de la transformation digitale a un tout petit peu changé. Ce n'est pas la même gestion des ressources humaines qu'on avait l'habitude de faire en l'absence notamment des sciences et technologies émergentes. Et donc, du coup, dans ce contexte de transformation digitale, on a besoin d'aller chercher la perle rare. On a besoin d'aller chercher les gens qui ont des compétences techniques assez poussées. Et donc, pour ça, il faut un type de recruteur assez spécifique. Donc, c'est ce que nous appelons les recruteurs IT. Donc, ce sont des personnes qui sont capables d'aller rechercher les meilleurs profils IT qu'il faut aux entreprises pour pouvoir dérouler leur stratégie, pour pouvoir arriver à exécuter de la façon la plus idoine leurs activités. Alors, la rémunération mensuelle brute, annuelle brute, autant pour moi, est de 21 millions de francs CFA. Alors, je vais terminer par ce métier que moi, j'adore beaucoup, c'est le chef de projet digital. On a toujours eu des chefs de projet dans notre vie, hein, parce que toutes les grandes réalisations qu'on a pu faire dans notre monde, elles ont été possibles grâce à la gestion de projet. Mais de plus en plus aujourd'hui, il y a un nouveau type de chef de projet qui naît. Ce sont des chefs de projet qui ont pour mission notamment de pouvoir piloter un projet IT de bout en bout, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mise en production. Et c'est aussi ces chefs de projet-là qui vont utiliser un certain nombre d'outils qui sont suffisamment orientés vers la technologie pour pouvoir optimiser les processus de gestion de projet. Donc, voilà quelques métiers que je voulais partager avec vous. Comme je vous le disais au début, on ne peut pas présenter tous les métiers en 40 minutes. Il faut un peu plus de temps que ça. Donc là, je vous ai présenté 5 métiers que je trouve vraiment extrêmement importants lorsqu'on parle de sciences et technologies émergentes. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Moustapha qui va vous entretenir sur les métiers, mais cette fois-ci qui ont plus une connotation technique. Merci. Merci, mon cher André. Comme vous l'avez dit, hein, déjà avec l'événement du Big Data, il y a de nouveaux métiers également qui sont créés, qui sont nés. Notamment maintenant le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas-ci maintenant, il a comme charge de mettre en place les stratégies qu'il faut pour aller chercher les données. C'est important. Okay? Mais également de produire également des algorithmes également appropriés, okay, qui sont utilisés maintenant afin que l'ordinateur maintenant puisse ou bien d'aller chercher dans la grande masse de données et de récupérer toutes ces données également et de les manipuler. OK, ça, c'est important. Donc, dans ce cas-ci, maintenant, là, il est d'abord, avant tout, il est concepteur de solutions.
mais également, il met en place également des algorithmes également qui vont être appliqués à ce tenant également pour avoir des résultats. Okay? Et là également, ça va également utiliser les éléments du système décisionnel. Et il est très important, pourquoi? Parce que, à peu près, on a vu que le salaire brut va jusqu'à 20 millions par an. Donc ça, c'est fondamental et c'est important. À part maintenant ce métier-là également, nous avons ce qu'on appelle l'ingénieur en fiabilité des sites. Vous savez que généralement, quand on parle de solutions déjà, ou de sites ou d'applications également, il faut savoir que la partie sécurité est fondamentale dans toute chose. Et là, maintenant, l'ingénieur maintenant doit être capable de vérifier la fiabilité d'un site. Ça veut dire c'est déjà un expert déjà de l'ingénieur du logiciel, mais également aussi qui est appelé à tester les solutions déjà et voir maintenant les vulnérabilités et les corriger. C'est important. Parce que sinon également, si ce point n'est pas pris en compte, on peut être facilement être hacké. Et ça, c'est important. Et il a un salaire qui tourne aux alentours de 21 millions par an. Donc, à part ça aussi, nous avons ce qu'on appelle l'ingénieur de données. Et c'est la partie la plus intéressante ici. Parce qu'on sait que, comme je l'ai dit, on est à l'aide du Big Data. La donnée, elle est importante. La donnée, elle est importante. Ça veut dire que dans ce cas-ci, maintenant, il faut aller fouiller la donnée et ressortir maintenant la bonne information. Et c'est fondamental. Okay? Et là, maintenant, c'est le rôle également en partie du data scientist. Okay? Dont le rôle est d'analyser, mais également d'interpréter les données qui sont issues de ce qu'on appelle du big data, hein? C'est le transformance de relâche qui est manipulée. Et là également, il a un salaire qui tourne aux alentours de 24 500. Donc là aussi, il y a aussi de nouveaux postes qui sont créés, notamment ce qu'on appelle sur DevOps. Il y a DevOps et DevSecOps. C'est deux choses. DevOps, Dev, Développement, Ops, Opérationnel. Et DevSec, le sec maintenant, c'est la sécurité. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est à un moment tel qu'on ne peut pas parler d'application sans parler de sécurité, de lier à ces applications-là. Et c'est fondamental. Donc là, maintenant, il peut être un développeur web, mais également, il peut aussi créer des applications également. Mais dans tous les cas, il faut gérer toute la phase relative maintenant à la mise en œuvre et production des solutions. Et là aussi, c'est un nouveau métier également qui est très en vogue également et dont le salaire parle jusqu'à 25 millions par an. Donc, c'est ça. Maintenant, on va finir par la dernière partie qui est ce qu'on appelle la partie cybersécurité. Cybersécurité. Et quand on parle de cybersécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant tout, il a comme rôle, il est là, mais il gère la sécurité de tout ce qui est infra et autres. Et c'est important. Ça veut dire dans ce cas-ci maintenant, il est appelé à examiner les menaces, mais également analyser les risques. C'est important. Ça veut dire dans ce cas maintenant, il va prédire, il fait la prédiction, mais maintenant aussi, il y a également des failles, également, il est appelé à aller corriger. Et dans ce cas, on sait qu'il faut toujours prévenir. Donc, on prend toujours dans la planche avant d'aller dans la chambre. Okay, ça, c'est important. Et là, comme on l'a également dit, il faut que gérer ce qu'on appelle la protection des données, mais également leur intégrité. C'est fondamental. Et également aussi, il peut avoir un salaire qui parle jusqu'à 20 millions par an. Juste pour dire que de tous ces métiers-là également qu'on a déjà énumérés, il y en a d'autres également qui existent, effectivement. Mais on n'a pas le temps de tous les énumérer. Mais il faut comprendre que là, on a les métiers porteurs et qui sont liés là-haut, tout ce qui est technologie émergente. C'est fondamental. Donc, je crois bien que mon cher André, donc on a fait un revue, on est passé en revue. Donc, certains métiers déjà qui sont émergents. Donc là, peut-être on va laisser le soin aux internautes. C'est ça. Pour leur demander, pour juste une question, quel métier les intéresse le plus? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'aurais choisi le digital. Et pour cela, maintenant, vous avez la possibilité également de comme c'est interactif, hein, oui. De nous donner un exemple de métier qui vous tente. Et pour ça, maintenant, allez sur le site de slido.com. Et là, maintenant, vous tapez le numéro.
vous tapez le numéro 577 456. C'est ça. Allez sur slido.com, mm-hmm. vous tapez le code 577 456 et dites-nous parmi tous les métiers qu'on vous a présentés, quel est celui qui vous intéresse le plus, quel est celui qui vous tente le plus. Voilà. On aimerait bien avoir votre avis. Alors, oui, on voit qu'il y a des questions qui sont posées, hein. C'est interactif quand même. Oui, bon, là, il parle de... Ah, d'accord, oui. Machine Learning Engineering. Oui, oui, je vais répondre à la question. D'accord. Il dit, on parle de Machine Learning Engineering. Bon, d'abord, je le félicite pour la question. Aidana, c'était oui. Bon, à part ça, il y a aussi, on reçoit également sur Sudo des propositions déjà de métiers. C'est okay. ça. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé de la sécurité informatique et c'est ça qui l'intéresse. C'est ça. Chef de projet digital aussi. Très bien. Donc, c'est important. C'est important. Donc, les autres également, on attend vos retours. Ouais, si vous nous suivez, dites-nous quel est le métier qui vous intéresserait le plus parmi les métiers qu'on vous a présentés tout à l'heure. Pour cela, allez tout simplement sur slido.com et tapez le code 577-456. Quel est le métier qui vous intéresserait le plus? Marketing digital, excellent. Très bien. Alors, j'aimerais savoir si l'ESMT dispose des filières qui ont ces métiers débouchés. Oui, on en vient. Ne vous inquiétez pas. On a ça pour vous à la fin, en fait. Voilà. Ingénieur intelligence artificielle, très super. Bien. Ça, c'est très bien aussi. Le community management, excellent. Oui, très bien, excellent. Très bien. En tout cas, merci hein, de nous avoir dit un peu quels sont les métiers qui vous intéressent. Alors, en quoi consiste la formation en finance digitale? On va en parler tout à l'heure. Très bien. OK. Donc, je pense qu'on a campé le décor. Alors, il y a d'autres... Data science également aussi. Data scientist. Ça va bien également. Oui, c'est très bien. C'est excellent parce qu'on est aujourd'hui dans une ère des données massives. Donc, il faut... Des ingénieurs pour gérer toutes ces données-là et pouvoir en tirer mm-hmm. Une information qui va orienter la prise de décision. Ça, c'est excellent. Alors, du coup, nous allons embrayer sur la présentation de l'ESMT parce que c'est une journée porte ouverte virtuelle. Donc, on est là aussi pour parler de l'ESMT. Voilà. Donc, je vais parler un peu de l'ESMT. Je ne sais pas si vous connaissez l'ESMT. Donc, l'ESMT, c'est l'École supérieure multinationale des télécommunications. C'est une école inter-État qui a été créée en 1981. Alors, nous allons avoir bientôt 40 ans. Hein. Je pense qu'il est prévu quelques festivités pour célébrer ce 40e anniversaire. Donc, ça fait 40 ans que l'ESMT est là. Donc, c'était au départ un projet qui était soutenu donc par le PNUD et l'Union internationale des télécommunications avec donc l'apport de la France, de la Suisse et du Canada. Voilà. Et c'est donc pourquoi au début de la création de l'ESMT, on avait beaucoup d'enseignants qui venaient de ces pays-là et qui étaient notamment des coopérants. Donc, c'est une école quand même qui est très, très ancienne. Alors, l'ESMT a beaucoup de réalisations. Donc, on ne pourra pas toutes les citer. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que, et le professeur Cora en parlait tout à l'heure, c'est que nos diplômes sont la plupart du temps reconnus par les organismes d'accréditation. Et l'un d'eux, en Afrique, c'est notamment le CAMES. Donc, la plupart des diplômes que vous allez suivre ou que vous allez avoir à l'ESMT sont reconnus par le CAMES. Voilà. Nos diplômes sont également reconnus par l'ANACSUP, qui est l'agence qui régule donc la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal. Alors, nous travaillons beaucoup avec les partenaires sous-régionaux, notamment l'UEMOA. Nous sommes centre d'excellence de l'Union économique et monétaire ouest-africain, ce qui nous a valu notamment bénéficier d'un certain nombre de soutiens pour créer notamment un incubateur au sein de l'ESMT. Donc, ça veut dire que si vous êtes étudiant à l'ESMT et que vous avez un projet de création d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement à travers cet incubateur.
Il y a une relation très régionale entre l'ET et l'Union internationale des télécommunications. Donc, nous sommes un centre d'excellence de l'Union internationale des télécommunications. Et dans le cadre de ce centre d'excellence, nous organisons un certain nombre de formations dans le domaine de la formation continue. Et nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'Union africaine pour renforcer notamment les capacités du personnel de l'Union africaine dans le développement des TIC. Donc, en venant à l'USMT, vous faites confiance à une école qui est très connue dans la sous-région, mais également au niveau de la sphère internationale. Alors, l'USMT n'est pas que présent au Sénégal, parce qu'effectivement, nous avons une présence au Sénégal, mais nous avons un certain nombre de pays qui utilisent les produits de l'USMT. C'est vrai que l'USMT a été créé par les États de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, vous avez plus d'une vingtaine de pays en Afrique qui utilisent les produits de l'USMT, notamment à travers la formation initiale et la formation continue. Alors, ça, ce sont les principales missions de l'USMT. Donc, nous avons une mission de formation initiale, donc c'est la formation diplômante. Voilà, donc quand vous venez à l'USMT, vous avez la possibilité donc d'avoir un diplôme et nous allons présenter tout à l'heure les cursus de formation. Mais l'ESMT intervient aussi dans l'expertise et le conseil. C'est-à-dire que les enseignants de l'ESMT, du fait de leur expertise et de leur expérience, vont accompagner les entreprises pour pouvoir apporter des solutions pertinentes aux problématiques auxquelles elles sont confrontées. L'ESMT, c'est aussi de la recherche et de l'innovation. Vous ne pouvez pas faire des formations dans le domaine des sciences et technologies émergentes si vous n'accordez pas un temps important à la recherche et l'innovation. Donc, nous avons plusieurs domaines de recherche, notamment l'économie numérique, les objets connectés ou encore le domaine de la fibre optique, notamment avec le transport optique. Et notre dernier domaine d'activité stratégique, c'est la formation continue, parce que nous faisons beaucoup de séminaires. Voilà. Donc, ici, c'est ce que nous appelons la formation qualifiante. Donc, c'est une formation qui ne débouche pas sur un diplôme, mais qui débouche donc sur un certificat. Et donc, si vous êtes étudiant à l'ESMT, vous pouvez bénéficier de tous ces certificats-là. Donc, c'est pourquoi c'est un gros avantage. Non seulement vous avez votre formation qui vous permet d'avoir votre diplôme, mais ce diplôme-là peut être complété donc par une certification internationale. Je peux citer notamment des certifications dans le domaine de l'informatique, notamment avec CCNA. Nous avons également des certificats dans le domaine de la fibre optique, dans le domaine des satellites et aussi dans le domaine de la gestion de projet. Donc, le spectre des certifications que vous pouvez avoir à l'ESMT est vraiment très large et ça vous donne vraiment la possibilité de pouvoir renforcer la formation diplômante pour laquelle vous vous inscrivez dans. Donc, voilà un peu présenter les différentes formations, les différents grands domaines dans lesquels l'ESMT intervient. Alors, on ne peut pas faire tout ça s'il n'y a pas de partenariat. C'est pas possible. Donc, l'ESMT aujourd'hui, c'est vraiment un réseau de partenariats qui est très développé. Alors, à la base, nos partenariats sont avec les équipementiers. Parce que dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, le device joue un rôle extrêmement important. Et les personnes qui mettent à disposition ces devices, c'est notamment les équipementiers. Donc, nous avons un certain nombre de partenariats avec les équipementiers. Mais nous avons aussi des partenariats avec un certain nombre d'organismes qui interviennent dans le domaine de la formation certifiante. Je parlais notamment de la Fiber Optic Association, avec qui nous travaillons énormément, mais également le Project Management Institute, avec lequel nous développons un certain nombre de formations dans le domaine de la gestion de projets. Alors, voilà un peu présenter l'ESMT. Peut-être que nous n'avons pas abordé un certain nombre d'éléments sur l'ESMT que vous voulez savoir. N'hésitez pas à nous le faire savoir à travers vos questions. Alors, cela nous donne maintenant la possibilité de pouvoir répondre à des questions qui arrivaient déjà. Quelles sont les formations que vous avez? Est-ce que vous avez des formations qui adressent ces métiers-là? Donc, je pense qu'on va embrayer là-dessus. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Moustapha. Oui, comme la très bien, comme tu l'as si bien dit, mon cher André, donc les formations offertes maintenant par l'ESMT sont, il y a déjà pour la licence, hein, il faut avoir le bac,
OK, donc c'est Bac plus 3. Pour le master déjà, ou bien l'ingénierat, c'est un Bac plus 5. Pour le doctorat, qui est la recherche également, c'est Bac plus 8. Donc, dans ce cas-là, si vous avez la possibilité de faire toutes ces formations, mais à condition d'avoir maintenant le Bac. Les Bac S sont autorisés, même plus que les Bac L. Hein. Il y a c'est aussi ça. D'autres Bac également, mais il faut qu'on l'école vérifie maintenant l'équivalence. C'est ça. Okay, donc, c'est ça qu'il faut d'abord retenir dans le premier point. C'est-à-dire que l'étudiant, celui qui va venir à l'ICMT, doit avoir le bac. Si vous avez le bac maintenant, après ça, maintenant, vous pouvez commencer par la licence. Mais par contre, si maintenant, il serait également bon également que celui également qui a la licence, okay, pour venir faire son master. Okay, ou bien aller faire son doctorat aussi. Hein, c'est pour ça également de faire ici à l'ICMT. Donc, c'est ça. Maintenant, quelles sont les filières hein, qui existent à l'ICMT? Maintenant, pour la partie SMT-TIC, nous avons la licence en réseau télécom. C'est télécom informatique, c'est comme ça qu'on l'appelle, télécom informatique. Nous avons également la licence en réseau télécom, qui est RT. Nous avons également la licence en administration et sécurité des réseaux, qu'on appelle ASR, administration et sécurité des réseaux. Nous avons également ce qu'on appelle la licence également en, l'option également développement d'applications réparties. Idem aussi pour l'option système audiovisuel numérique. Ça, c'est pour la licence. Et là, maintenant, je dis bien, c'est la licence côté SMT-TIC. Excellent, c'est ça. Maintenant, M. André, maintenant, également, va vous parler un peu de la licence maintenant, côté management numérique. C'est ça. Alors, effectivement, vous avez certainement suivi tout à l'heure. N'importe quel bac peut venir à l'ESMT. Ça, vraiment, il faut que ce soit un élément clé de notre message. Parce que d'habitude, quand on parle de l'ESMT, les gens pensent que c'est réservé uniquement à ceux qui ont le bac scientifique. Voilà. Mais si vous avez un bac qui n'est pas scientifique, un bac L, vous avez également la possibilité d'intégrer l'ESMT. Parce que nous avons deux cursus de formation. On a des cursus qui sont purement techniques, mais nous avons des cursus qui sont des cursus de management et économie digitale. Voilà. Alors, je vais vous présenter notre première formation, donc, parce que nous sommes dans cette logique LMD, licence, master et doctorat. Donc, dans la partie licence, nous avons la licence en management et économie numérique. Parce qu'il faut le comprendre, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'économie numérique est extrêmement, a des enjeux extrêmement importants. Le Sénégal, par exemple, envisage d'être la référence de l'économie numérique à l'horizon 2025. Et donc, si on veut être la référence de l'économie numérique à l'horizon 2025, il faut des compétences. Alors, nous avons donc une licence en management et économie du numérique avec quatre spécialités majeures. Alors, la première, c'est la spécialité technico-commerciale. Alors, elle correspond un peu au métier d'assistant en nouvelles technologies de l'information dont je parlais tout à l'heure. Donc, ici, nous donnons la possibilité aux candidats de développer une double compétence. Une compétence technique d'une part, mais également une compétence commerciale. Et c'est ce qui leur permet de pouvoir donc être des personnes qui sont à l'aise pour pouvoir commercialiser les produits technologiques. Alors, ce type de profil-là est très sollicité au niveau des opérateurs de télécommunications qui ont besoin d'un personnel pour pouvoir vendre ces produits et services TIC. Alors, on parlait aujourd'hui du développement des réseaux sociaux et de la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. C'est notamment le métier de community manager. Donc, si vous voulez devenir community manager aujourd'hui dans une entreprise, il vous faut des compétences en marketing digital. Voilà. Donc, ici, vous allez apprendre tout ce qui est plan e-marketing, tout ce qui est outil de suivi de présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons une troisième spécialité dans cette licence. C'est l'économie numérique. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui développer des politiques et des stratégies pour faire avancer l'économie numérique. Il faut mettre en place un écosystème dans lequel l'économie numérique puisse s'épanouir et profiter à la nation. Et pour arriver à cela, on a besoin d'experts, on a besoin de personnes compétentes dans ce domaine-là. D'où l'idée de mettre en place cette licence. Alors, la gestion de projets innovants, c'est parce que dans ce secteur de l'IT, il y a énormément de projets. Et donc, on a besoin de personnes qui ont des compétences pour pouvoir conduire les projets. Donc, si je me résume, vous avez cette licence en management et économie numérique avec quatre spécialités, technico-commerciale, marketing digital, économie numérique
et gestion de projets innovants. Très bien. Excellent. Alors, cela nous amène donc à parler des masters. Effectivement. Peut-être parce que vous, qui nous suivez, peut-être que vous avez déjà une licence et que vous voulez développer davantage vos compétences pour monter un peu plus en grade dans votre entreprise. Exactement. C'est même ça qui nous permet de faire la transition maintenant pour aller maintenant vers le master, le bac plus 5. Donc, maintenant, dans ce cas-ci, maintenant, à l'UCMT, nous avons des masters TIC, notamment le master en système d'information. Donc, et là aussi, comme vous le savez tous, une entreprise ne peut pas exister sans avoir un bon système d'information. Ça, c'est fondamental. Nous avons également aussi le master également en sécurité des systèmes d'information. Et le master également, pour la partie télécom également, nous avons le master en réseau et multimédia. Nous avons également le master en technologie audiovisuelle et le master en réseau et télécom. Donc, ça veut dire que l'étudiant qui a déjà sa licence, il a la possibilité d'intégrer le CMT et venir faire son master. Effectivement. Ça, c'est important. Et là, maintenant, vous avez déjà des masters spécifiques qui existent et vous avez la latitude également de les suivre sans souci. OK, donc maintenant, il faut juste préparer la conséquence et se rapprocher maintenant de l'administration de CMT pour avoir plus de détails. Donc, sans tarder maintenant, Onana également va vous parler un peu des autres options de master qui sont liées au management et à la transformation digitale. OK, merci beaucoup, chers collègues. Alors, juste le temps de repartager ma présentation. Je pense qu'on a un petit souci de présentation. Alors, mon collègue a parlé donc des formations en master que nous avons dans le domaine technique. Alors, il est important aussi de rappeler que nous avons... Alors, il est important aussi de rappeler que nous avons que formation dans le domaine du management. OK. Donc, je disais que nous avons quelques formations dans le domaine du management. Laissez-moi rapidement partager la présentation à nouveau. Un peu déconnecté. Alors, je ne sais pas si elle est revenue, notre présentation. J'espère que oui. Oui, c'est ce que j'ai fait. Hein. OK, très bien, on va peut-être faire sans la présentation qui va nous venir d'un moment à l'autre. Donc, je voulais parler des formations en master. Donc, nous avons... Alors, il faut savoir que le SMT, c'est une école d'ingénieurs, mais cette école d'ingénieurs a migré aussi vers le système LMD. Voilà. Je pense que depuis l'année 2015, nous avons mis en place les licences et en 2018, nous avons accompagné la création des licences par... la création des cycles de master. Alors, nous avons un master en management de la transformation digitale. Alors, ce master-là, il a pour objectif de doter notamment les étudiants, les apprenants de compétences qui vont leur permettre de pouvoir accompagner les entreprises pour pouvoir mieux embrasser la transformation digitale. Alors, il y a deux domaines en particulier que cette formation adresse. C'est notamment le e-commerce, parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où le e-commerce se développe beaucoup, avec notamment l'arrivée des plateformes telles que Jumia. Hein? Jumia qui a même été cotée à la bourse de New York. C'est pour montrer le poids notamment de cette plateforme de e-commerce sur le continent africain. Et donc, pour accompagner ces entreprises qui sont dans le e-commerce, il faut notamment un certain nombre de compétences. Et donc, nous avons un master qui permet donc de pouvoir doter les apprenants de compétences qui leur permettent de pouvoir travailler dans les entreprises de e-commerce. Alors, il y a une chose qui caractérise l'Afrique et les pays de l'Afrique subsaharienne notamment, c'est que nous avons un faible taux de bancarisation. C'est-à-dire, quand vous prenez les pays développés, vous avez un taux de bancarisation qui atteint quasiment les 98%, alors que nous,
dans les pays africains, on est à 16 ou 20%. Et donc, du coup, on se dit, puisque nous avons ce problème-là de bancarisation, alors qu'au même moment, la technologie a fortement pénétré les ménages, notamment le téléphone portable. Donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies de l'information et de la communication pour proposer des services financiers de qualité, diversifiés et à moindre coût. Et c'est là qu'intervient cette formation en finance digitale. Voilà. Donc, la finance digitale, c'est tout simplement une nouvelle forme de finance qui est basée notamment sur les technologies de l'information et de la communication. Alors, si je peux donner un exemple de cas d'utilisation de la finance digitale, c'est notamment les services de mobile money. Aujourd'hui, les personnes ont la possibilité de pouvoir ouvrir un compte de mobile money auprès d'un opérateur de télécommunication, par exemple, et de pouvoir faire un certain nombre de transactions financières, envoyer de l'argent, déposer de l'argent, payer des factures. Donc, tout cela est possible grâce notamment à la finance digitale. Voilà. Donc, vraiment, si vous voulez développer vos compétences en e-commerce, si vous voulez développer vos compétences dans le domaine de la finance digitale, je vous invite à rejoindre notre master en management de la transformation digitale. Voilà. Sauf c'est pour confirmer ce que dit M. André, que généralement, il y en a qui pensent que le CNT ne faisait que des formations en télécom. Donc, il faut comprendre que là, maintenant, vous avez la possibilité de faire un master en SI, à savoir l'ingénierie des centres de formation, mais également, sécurité également des centres de formation. Ça, ça existe au niveau de l'UCMT. Mais aussi, comme l'a également dit M. André également, vous avez également la partie management et transformation digitale. Avec les masters en e-commerce et en finance digitale. Donc ça, ça existe. Maintenant, parallèlement à ça aussi, nous avons pu les masters en radio, télécom et service, mais là aussi, on peut faire les multimédia. Okay, donc ça veut dire que vous avez déjà un lot de 7 masters formation pour le master. C'est ça. Donc, il y a 2 en management DSI, 2 en management d'information digitale, mais également 3 en réseau et télécom. C'est ça. Maintenant, il y a aussi de nouveaux masters également qui vont s'ouvrir après. On va revenir sur après. C'est ça. Dans la partie IA et autres. C'est ça. Excellent. Voilà. Donc, pour résumer jusque-là, nous en parlons donc de 2 offres de formation, licence en télécom informatique et licence en management économique numérique avec des spécialités à l'intérieur. Là maintenant, nous avons abordé 3 masters, un master en système d'information, un master en management de la transformation digitale et un master en réseau télécom. Je disais tantôt que nous sommes une école d'ingénieurs, mais nous avons déployé l'intégralité du LMD. Nous avons parlé des licences. Nous avons parlé des masters et comme vous vous en doutiez, nous avons également une formation doctorale. Effectivement. Voilà. Et là, même pour la formation doctorale également, comme vous le savez, on dit la formation maintenant se dure 3 ans, 6 semestres. Donc, et là, on dit les étudiants maintenant doivent valider les crédits. Okay, nous avons 20 crédits déjà qui sont définis en compte commun étalés sur les 2 ans. Donc, après ça, maintenant, le reste, maintenant, c'est le projet de thèse qu'il faudra maintenant valider maintenant pour pouvoir soutenir maintenant là, le doctorat. Effectivement. Donc, et là aussi, comme il a dit, tant que il m'a dit, mon cher André, la convention est conforme au standard du LMD. C'est ça. C'est d'abord la licence, le master, après le doctorat. Le doctorat. C'est ça. Alors, c'est vrai que nous avons donc. Les 3 cycles qui sont déployés à l'ESMT, la licence, le master et le doctorat. Je voudrais juste rajouter que le doctorat, nous le faisons en partenariat avec l'UCAD. Donc, vous dites tout le sérieux qu'il y a dans cette formation doctorale. Donc, quand vous inscrivez en thèse à l'ESMT, donc vous êtes thésard aussi bien à l'UCAD qu'à l'ESMT. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'à côté de cette formation, licence, master et doctorat, nous avons toujours nos cycles d'ingénieurs. Donc, nous avons notre cycle d'ingénieurs de conception. Voilà. Donc, nous avons un cycle d'ingénieurs de conception
qui est le bac plus, plus 5. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez un bac plus 2, vous pouvez intégrer le cycle d'ingénieur de conception et faire 3 ans pour pouvoir donc avoir votre diplôme d'ingénieur de conception. Exactement. Et donc, du coup, ça me permet de rappeler également que les futurs bacheliers ont la possibilité de pouvoir intégrer le cours préparatoire scientifique que nous faisons conjointement avec le cours Sacré-Cœur. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez votre bac et que vous souhaitez faire des études d'ingénieur plus tard, vous avez cette possibilité-là de faire 2 années de classe préparatoire scientifique au niveau du cours Sacré-Cœur. Donc, c'est une formation que nous avons en partenariat avec ECGLEC de Rouen. Voilà. Donc, aussi bien que vous pouvez faire tout le cycle LMD chez nous à l'ESMT, mais vous avez également la possibilité de faire vos études d'ingénieur, notamment ingénieur de conception. Voilà. Ou encore même d'intégrer les classes préparatoires scientifiques. Voilà. Exactement. Donc, je crois que tout est déjà dit. Maintenant, on va aller vers les formations qui sont en ligne. En ligne. Parce que c'est également ces deux volets. Nous avons des présentiels. Il y a aussi des formations qui sont en ligne. C'est ça. Et pour ces formations maintenant, pour la partie système et technologie du numérique, vous avez le master en data science et intelligence artificielle. Okay, donc là, on a ce master-là. Donc, c'est un master en data scientist. Donc, ça, c'est important. Maintenant, pour la partie réseau télécom également, nous avons le master prochain en télécom et multimédia. Pour la partie transfert digital, c'est ça. Nous avons également le master en management des projets numériques. C'est ça. Mais aussi le master prochain en régulation du numérique. C'est ça. Donc, et enfin, il y a aussi un nouveau master également que vous aurez bientôt. C'est le master en technologie de l'information pour la santé. C'est ça. Vous voyez que déjà, que là, l'informatique est au cœur de toutes les activités. C'est ça. Et c'est fondamental. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Et toutes ces formations que je viens d'énumérer maintenant se font en ligne. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas au Sénégal, il a l'attitude de rester dans son pays, là où il travaille, et de s'inscrire et de faire de la formation normalement comme si c'était au Sénégal. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la pandémie de COVID-19 a accéléré le e-learning. Exactement. Voilà, le SMT faisait déjà du e-learning, mais avec l'avènement de la pandémie de COVID-19, le e-learning a été accéléré. Alors, nous donnons aujourd'hui la possibilité à toute personne, quel que soit l'endroit du monde où elle se trouve, de pouvoir suivre les formations de l'ESMT et d'avoir un diplôme reconnu par toutes les instances d'accréditation. Voilà. Donc, à partir de l'année académique 2021-2022, vous avez quasiment 5 nouveaux masters qui sont proposés. Voilà. Donc, le master en technologie de l'information de la santé, je voudrais juste rappeler que ce master, nous le faisons en partenariat avec l'École polytechnique de Grenoble, mais également avec la faculté de médecine de l'Université Charles-Tadur de Dakar. Donc, ça veut dire que vous avez 3 universités qui se sont mises ensemble pour créer ce master en technologie de l'information et de la santé. Je pense qu'on parlait de la data tout à l'heure. Donc, vous aurez également la possibilité de faire un master en data science et intelligence artificielle, voilà, qui va se faire en ligne. Vous avez également un master en management de projet numérique, parce qu'on parlait tout à l'heure du métier de chef de projet digital. Donc, pour pouvoir donc espérer décrocher cette poste de chef de projet digital, il vous faut notamment un master dans le management de projet digital. Alors, il y a aussi ce très bon master en régulation du numérique que nous faisons avec la GSMA. Donc, la GSMA, c'est l'association mondiale de tous les opérateurs de télécommunications. Et donc, depuis quelques années, nous avons cette opportunité-là de proposer à nos étudiants de renforcer leurs compétences dans le domaine de la régulation. Donc, sans parler aussi du master professionnel en télécommunication et multimédia. Donc, 5 nouveaux masters que vous aurez la possibilité de faire en ligne à partir de l'année académique 2021-2022. Voilà. Donc, ceci nous amène donc au terme de la présentation. Voilà. Donc, on espère qu'on a essayé d'apporter des éléments de réponse aux questions que vous posiez par rapport à l'ESMT. Donc, nous allons
passer à la phase des questions et des réponses. Donc, nous allons voir au niveau de la plateforme s'il y a des questions. On va essayer de voir et essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, j'ai vu une question tout à l'heure. Peut-être que mon collègue Moustapha va apporter des éléments de réponse. Cette question-là, oui. Oui, il dit bonjour. Est-ce qu'il y a une possibilité de m'inscrire en doctorat et partir faire mes recherches au commun et vous revenir pour ma thèse? Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'il y a la mobilité quand vous faites une thèse. Alors, justement, dans ce programme de thèse, tous les thésards ne sont pas ici à Dakar. Effectivement. Les thésards sont un peu partout dans leur pays, mais ils sont obligés de venir à des moments ponctuels lorsqu'il y a des séances de regroupement. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous avez effectivement la possibilité de vous inscrire en thèse ici à l'ESMT et d'aller faire vos recherches aux Comores, mais tout en prenant les dispositions pour vous rendre à Dakar lorsqu'il y a des regroupements. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, pour plus de détails, je vous invite à peut-être écrire un mail à l'ESMT ou à vous déplacer à l'ESMT et rencontrer le responsable de la formation doctorale. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on pourra faire pour voir les autres questions. Alors, c'est intéressant, l'initiative. Ah, j'ai une question. Pensez-vous que le marché de la thèse est développé? Ok. Pensez-vous que le marché de la thèse est très développé? Bon, il faut voir que c'est, comme on dit, hein, nous avons des métiers émergents. C'est un métier émergent, c'est un métier déjà. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui comprennent avec l'enjeu de la donnée et qui s'y mettent déjà. Mais beaucoup d'autres également sont obligés de s'adapter. Ok, donc ça veut dire, pour les gars maintenant, si vous voulez la pousse de faire la formation, allez-y. Faites la poche parce que vous êtes dans un métier émergent et c'est un métier qui va beaucoup apporter. C'est ça. C'est ça. Pour compléter mon collègue Moustapha, ce que je dirais, c'est que effectivement, on peut avoir cette double lecture des choses. On va se dire, la data n'est pas encore développée, est-ce que c'est pertinent d'y aller? Ou alors, c'est quoi je dis? Les premières personnes, généralement, sont souvent celles qui auront les meilleures opportunités. Voilà, c'est-à-dire que le marché de la data est en train de se développer au Sénégal. Pourquoi il est en train de se développer? Tout simplement parce que le Sénégal n'est pas en marge de cette mouvance-là en matière de données. Et donc, aujourd'hui, la problématique du traitement des données se pose aussi aux entreprises qui sont installées au Sénégal. Donc, ce n'est pas qu'une problématique qui concerne les entreprises occidentales. Même les entreprises qui sont au Sénégal ont besoin d'avoir une certaine expertise dans l'exploitation des données pour pouvoir orienter leur prise de décision. Voilà. Donc, je vais abonder dans le même sens que vous. C'est émergent. C'est. D'où l'intérêt de s'y coller en premier pour pouvoir exploiter au mieux toutes les opportunités qui peuvent se présenter par rapport à ce métier-là. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vérifiez encore s'il n'y en a pas d'autres. Dans le live, est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Ils ont déjà traité celle-là. Tu l'as déjà traité. Ah oui, ma question. Oui, ça c'est celle qui vient de traiter. Il y a une question aussi. Non, ça c'est un point d'information. Bon, alors c'est que les félicitations. Merci pour tous les messages de félicitations. On en a reçu beaucoup quand même. Merci. Un métier à m'apprendre. Oui, c'est le machine learning engineering. Okay. Donc, bon, on en a parlé tout à l'heure. C'était l'ingénierie de, au nom de l'apprentissage automatique. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, on voit qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, si on peut se résumer, Moustapha, en un mot pour résumer. Oui, juste inciter chacun à dégager. Se préparer à conséquence et à savoir que l'ESMT propose beaucoup de formations qui sont up to date. Donc, les formations
depuis point de vue, déjà, vous pouvez les avoir à l'UCMT. Okay? Et sans pour autant se déplacer, aller dans les pays où c'est assez compliqué. Donc, vous avez là, vous avez le compétence ici au niveau de l'UCMT. Donc, on vous invite à venir faire à l'UCMT vos formations, que ce soit pour la licence, le master ou le doctorat, qui se fait en partenariat avec l'UCAT. C'est ça. C'est ça que je vous donne. Je crois bien. C'est ça. Merci. Je vois une question pour un élève. Après la terminale qui veut faire la sécurité informatique, d'accord, quel cursus vous lui proposez, Moustapha? Oui, bon, déjà, quand il veut se lancer dans la sécurité, à l'ICMT, nous avons la formation à l'ICMT. Donc, il faut juste s'approcher de l'ICMT et vous allez très bien orienté pour faire un bon cursus en sécurité informatique. C'est ça. Donc, le cursus, juste pour résumer, si vous avez votre bac, vous venez à l'ICMT, vous intégrez la licence en télécom informatique et là vous pouvez faire la spécialité DA et maintenant ou ASR et après maintenant vous pouvez intégrer le master en sécurité des systèmes d'information, vous comprenez, donc vous avez cette possibilité là de pouvoir obtenir un diplôme en sécurité informatique. Donc je reprends, vous intégrez l'ESMT en licence télécom informatique. Vous avez le choix entre la spécialité ASR, administration et sécurité des réseaux, ou développement d'applications répartis. Et après votre licence, vous pouvez maintenant choisir de faire le master en système d'information, notamment la spécialité sécurité, le master en sécurité des systèmes d'information. Alors, il y a une autre question. Je suis étudiant gabonais. Comment faire pour intégrer l'ESMT? Alors, c'est très facile pour intégrer l'ESMT. Vous allez sur le site de l'ESMT, www.esmt.sn, et vous allez dans la rubrique inscription en ligne. Et dès que vous cliquez sur inscription en ligne, vous remplissez le formulaire et vous allez recevoir un numéro. Et à partir de ce numéro-là, vous pouvez continuer la procédure d'inscription. Donc, je reprends. Pour arriver à l'ESMT, pour s'inscrire à l'ESMT, c'est très simple. Vous allez sur notre site internet www.esmt.sn. Et vous allez dans la rubrique inscription en ligne. Et là, vous pouvez faire les formalités d'inscription en ligne. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email esmt@esmt.sn et il y aura quelqu'un qui pourra vous apporter une assistance. Alors, il y a une autre question, Moustapha. Bonjour. Pensez-vous que le diplôme d'ingénieur de conception en data science est intelligence artificielle est très demandée par les entreprises? Oui, je pense pas très fortement même. Parce qu'il faut voir qu'il y a deux, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, là c'est mon métier. Vous voyez, comme déjà l'a dit tantôt, mon cher André, les nouveaux métiers, il faut être prêt à faire partie des premiers, des pionniers dans ce secteur-là. C'est ça. Ça vous donne beaucoup de choses. C'est ça. Et c'est important. Donc, pour les gars, toutes les entreprises vont tendre vers ça. C'est ça. Il faut aussi atteler et commencer à faire la formation dans ce sens-là. C'est ça. Et c'est fondamental. Donc là, c'est au Sénégal, même dans votre pays également, vous avez la compétence déjà pour réfléchir là où vous êtes. C'est ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je dis que je vous recommande fortement à faire cette formation. Parce que c'est fondamental et c'est important. C'est ça. Et ce que je veux rajouter, Moustapha, c'est que aujourd'hui, on est à l'ère du télétravail. Donc la pandémie a créé de nouvelles formes de travail, dont le télétravail. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui travaillent pour des entreprises, mais ils sont ici au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se poser la question, est-ce que la data science est demandée au Sénégal? Non, parce qu'on ne vous forme pas pour travailler seulement pour les entreprises sénégalaises. On vous forme pour travailler à l'international. Vous comprenez? Voilà. Donc, le site web pour s'inscrire, on l'a mis, c'est www.esmt.sn. Voilà. Vous allez donc sur l'espace inscription en ligne et pouvez vous inscrire. C'est une question. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Hein, voilà. On est là pour ça. Et vous avez aussi beaucoup d'informations sur le site de l'ESMT, www.esmt.sn. Voilà. Est-ce
est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, si on n'a pas d'autres questions, donc peut-être rappeler donc que nous avons une offre de formation qui couvre tout le spectre du LMD, donc licence, master et doctorat. Donc, la licence, licence en télécom informatique et licence en management et économie numérique. Alors, nous savons quelles sont les spécialités de la licence en télécom informatique. Maintenant, si vous intégrer SMT, TIC, vous avez la licence en réseau télécom, qui est plus. La licence en administration et sécurité des réseaux, qu'on appelle ASL. Vous avez également la licence en développement d'application, répartie, qu'on appelle DAL. Également, la licence en système audiovisuel numérique. Excellent. Alors, du côté du management et de l'économie numérique, vous avez la licence option technico-commercial, option marketing digital, économie numérique et gestion de projets innovants. Et pour les masters? Les masters également, pour le master en système d'information, vous avez l'ingénierie des systèmes d'information, mais également la sécurité des systèmes d'information également, qui existe. Et vous avez également maintenant, pour le master en réseau télécom, vous avez le master en réseau communication et services, master en réseau et multimédia, mais également technologie audiovisuelle. Et du côté donc, du management de la transformation digitale, vous avez le master e-commerce et le master finance digitale. Alors, on a une question, Moustapha. Bonsoir, le master en sciences qui se fait en ligne ou également en présentiel. Alors, pour le moment, il est prévu de le faire en ligne. Voilà, je pense que c'est ça que nous avons prévu pour le moment. Donc, le master en data science, il est prévu pour le moment en ligne. Mais, vous savez, nous sommes là pour répondre à la demande. Donc, si jamais il y a de la demande pour faire ce master en présentiel, je pense que le SMT ne va pas refuser de l'ouvrir en présentiel. Donc, pour répondre à la question de Ivan, nous avons prévu pour le moment de faire cette formation master en data science en ligne, mais si la demande l'impose, nous pourrons le faire en présentiel. Donc, rien ne s'oppose à le faire en présentiel. Et je pense que par rapport à ce master, il y a une bonne nouvelle, c'est parce que je pense que nous avons un partenaire avec lequel nous allons développer cette formation. Donc, c'est un partenaire français. Donc, je pense que les étudiants auront donc la possibilité d'avoir une double diplomation par rapport à ce master-là. Donc, justement, pour compléter les offres de master, il y a donc les masters en radio, communication et services, multimédia et technologie. Alors, comme la formation en ligne est importante, de plus en plus aujourd'hui, donc nous avons des masters en e-learning. Effectivement. Donc, c'est ça un peu. Donc, je vous dis que avec le SMT, vous avez la possibilité de vous faire former en présentiel comme en licence. C'est ça. Il y a toutes les possibilités que vous avez et avec également des spécialités innovantes et vraiment intéressantes. C'est ça. Donc, le master en data science et intelligence artificielle, le master professionnel en télécommunication et multimédia, le master en management de projet numérique, le master en régulation du numérique et le master en technologie de l'information pour la santé. Donc, je vous disais qu'il y a trois universités sur ce master. L'UQAD à travers la faculté de médecine, Grenoble et notamment l'ESMT. Voilà. Alors, il y a d'autres questions. Avec une licence en informatique, je souhaiterais intégrer la première année ING-C1. Est-ce que c'est possible? Oui, ce sont les classes d'ingénieurs. Alors, normalement, si vous avez déjà la licence en informatique, ça veut dire que vous avez Bac plus 3. Exactement. Parce que ING-C, ça correspond à niveau Bac plus 3. Moi, je pense que, sous réserve hein, de l'avis de la commission qui s'occupe des admissions, moi, je pense même que vous pouvez intégrer, si on regarde un peu ce que vous avez fait par le passé, je pense même qu'il peut intégrer ING-C2, hein, je dis ça sous réserve. Hein. Sous réserve. Mais il faut venir à l'école, ça va approcher de l'administration. Donc, ça, vous voulez plus de détails par rapport à. Vous voulez regarder votre licence
et pas parce que vous avez fait comme matière déjà pendant la, c'est ce cycle-là maintenant, vous serez orienté maintenant pour la suite. Quoi. C'est ça. Donc oui, il y a cette possibilité d'intégrer INGC1 et voir INGC2 en fonction de ce que vous avez eu à faire par le passé. Exactement. Très bien. Alors, Moussafa, je pense qu'on a... On a fait le tour. Hein? Oui, on a fait le tour du sujet. Et on constate que c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu beaucoup de d'échanges avec les internautes. Donc, c'est bénéfique à tout le monde. Effectivement. Et ça, ce n'est que le premier rendez-vous. Je pense qu'il est prévu de le faire assez souvent. Donc, nous vous invitons à rester connectés, rester à l'écoute de la prochaine journée porte ouverte virtuelle de l'ESMT. Donc, sur ce, Moussafa, je te remercie pour la présentation. Je remercie l'équipe technique qui nous a accompagnés pour pouvoir rendre cela possible. Nous remercions également le directeur général de l'école, le professeur Cora aussi, le directeur de l'enseignement de la formation de la recherche, qui ont permis que cette belle initiative puisse se réaliser. Donc, merci à tous les collègues qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de cet événement. Voilà. Sur ce, merci et au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine journée porte ouverte virtuelle. Alors, je ne sais pas si Ibrahima veut compléter. Oui. Ibrahima MDI. Puisque tu as ouvert la session, est-ce que tu as un mot de clôture ou bien notre mot de revoir tient lieu de clôture? Ok, donc merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, attendez, c'est quand la liste des résultats du concours d'ingénieur de conception sera disponible? Très bientôt. Les copies ont été déjà corrigées. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Le jury va bientôt se réunir pour vous donner les résultats. Merci. Merci.